qui est profondément triste, qui cette année-là nous peut célébrer la journée internationale de la femme. Quand jamais finena autant de crimes et violence dans Maurice contre Ban Madame. Il est profondément triste. D'ici 2030, besoin d'égalité hommes-femmes, besoin de parité. Avec nous, nous mettons ça dans nos constitutions à nous-mêmes. Nous prenons l'engagement que d'ici 2030, besoin de parité dans MMM. Besoin d'égalité entre hommes et femmes partout dans MMM. Aussi concernant l'élection. Qui nous peut faire maximum pour qu'il y ait un maximum madame candidat dans l'élection générale. Nous pouvons dire gouvernement sans la loi pour l'élection générale. Droit de la femme, aux enfants, etc. Finance un gender equality bill. Supposé gouvernement pour venir avant avec la loi en faveur gender equality. Courage, m'encourage madame la ministre, venez de l'avant. Obtenir feu vert de gouvernement, venez de l'avant avec un vrai gender equality. Sans la loi électorale pour qui dans sa circonscription un candidat aux trois liens, madame, maintenant, avant prochaine élection générale, nous exprimons nos volontés politiques pour tenir parole vis-à-vis de madame et de jeune fille. Dans la pratique, avec nos nouveaux constitutions. C'est pourquoi les finances journée internationale de la femme spéciale aujourd'hui. Quand nous pensons à l'engagement là, nous avons une nouvelle constitution, nous avons une décision des Nations Unies, nous pouvons progresser, nous pouvons Maurice, nous pouvons passer un moment dramatique depuis dernier. Là, c'est ainsi où il y a la gazette, ce qui nous pays peut devenir. Nous pays ne peut passer un moment dramatique et dangereux aussi. Depuis des ans, depuis l'élection générale et depuis l'épisode Papa Pitchi, depuis qu'il Papa Pitchi. Des ans après l'élection générale et après qu'il Papa Pitchi et après tout ce qu'il nous prouvait, semaine après semaine, scandale après scandale, abus après abus, nous pays ne passe pas un moment, pas juste dramatique, mais même dangereux. Et nous pas connaître quand l'élection générale pour venir. Le plus tôt, le mieux pour ce pays-là.